cherches qui, tu cherches quoi? L'eau elle masse jusqu'à aller. Peut-être une trace de parenté, peu de toi ou un abri. Fais de l'encre dans ton stylo, des mots qui chantent sur ton rouleau. T'as pris la route du bout de la nuit, t'as viré de bout seul dans Paris. Ta mémoire, il y a des tiroirs de sales histoires, de sans espoir. Le Mary Mac et du cognac, de grandes prières pour ton petit frère. Cherchez qui, tu cherches quoi? De l'eau elle masse jusqu'à aller. Comme un apôtre sans Jésus-Christ, d'un bord à l'autre de ce pays. Ta mémoire, y a des tiroirs d'amour brisé. Canuck fucké, tu savais bien qu'un immigré parle pas pour rien au monde entier. On the road again, on the road again. Au bout de ta peine, comme un requiem. On the road again, on the road again. Au bout de ta peine, comme un quoi? De l'eau en masse jusqu'à elle. Peut-être une trace de parenté, un peu de toi ou un abri. Oh, da 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 da
Oh, good. Ça, c'est une méchante bonne tune, ça. L'ange vagabond de Richard Séguin. Salut tout le monde, bienvenue au Titi Show, édition du 8 juin. Je voulais faire une joke en rentrant en live, mais ça n'a pas fonctionné. Salut Star Spy, salut Alex. La joke que je voulais faire, c'est de... Parce que... Moi, je pense tout le temps, quelques minutes avant de rentrer en live, à qu'est-ce que je vais faire, à qu'est-ce que... Ça va être quoi le stream ce soir? Toute la journée, je me suis dit... À soir, je fais la conférence de presse d'Electronic Arts. Celle qui a eu lieu aujourd'hui pour l'E3. Moi, dans ma tête, j'étais sûr que c'est une conférence de presse comme les autres qui avait duré genre une demi-heure, 45 minutes, une heure dans le gros match. Je me dis, bon, écoutez ça tranquille, la première heure, après ça, j'irai jouer à un autre jeu. Là, j'arrive tantôt pour la CT sur YouTube. Là, je vois 3h30, je suis comme... Ok, non, ça doit être quelqu'un qui expliquait toutes les affaires. Là, je vois le tout l'horaire qui a eu lieu aujourd'hui. Ben non, c'était genre 11h30, on parlait de Jedi Fallen Order. Après ça, c'était à midi, ils parlaient de Apex. À midi et demi, ça a duré 3h30. Je ne sais même pas si mon stream va durer 3h30. Fait que la joke que je voulais faire, c'était... c'est de rentrer en live et dire « Ok, j'ai tout ce qu'il faut pour écouter la conférence de presse de Electronic Arts. J'ai deux cafés, puis là, j'allais me doudouner dans une couverte en... » Mais finalement, je le ferai pas. Sans vouloir dire que ça va être plate en esti, mais... Au moins, ça sera pas plate, on l'écoutera pas. Parce que j'ai vu... Pis c'est... Je déteste les réseaux sociaux, sérieusement. Je déteste tout ce qui est... notification de nos jours. Écoutez... Aujourd'hui, je travaillais, ok? J'ai travaillé de 8h à 4h aujourd'hui. Je fais le même chiffre demain. J'espère que demain, ce sera pas la même affaire. Puis demain, je pense que je vais me dompter. Je n'irai pas voir mon sel du tout. J'ai même pas été sur Facebook aujourd'hui. J'ai même pas été sur Instagram. J'ai pas été nulle part. Juste les notifications des YouTubers, des gens sur YouTube que j'écoute, que j'aime... du genre de RGT85 ou name it, là. Puis même Google m'envoie des notifications des dernières nouvelles. Fait que des fois, je fais juste ouvrir mon téléphone pour voir quelle heure qu'il est. Puis j'ai déjà une notification qui est marquée IE conférence Apex 2. Tu sais, je me suis quasiment tout fait spoiler. J'ai vu que FIFA 20 vient sur la Switch. J'ai vu que il y a un démo de 15 minutes de gameplay de Jedi Fallen Order qui a été présenté. J'ai vu que... Toutes des affaires boring. C'est quoi, en mon sens, à moi, là, fait que j'étais comme... Ok... Non, pas Apex 2, parce que c'est Apex saison 2, je pense. C'est une affaire de même. J'ai vu qu'il y avait de quoi sur Apex, là, mais... Honnêtement, j'irai pas me taper un 3h30 de conférence de presse de Electronic Arts. Ce que je vais faire là, tantôt, c'est que mec, le stream soit terminé. On allait me coucher tantôt. Je vais aller voir, il y a des vidéos que c'est toutes les présentations en 10 minutes, là, dans le fond de même. C'est un condensé de ce qui a été présenté. Fait que je vais en avoir bien assez, puis je vous en parlerai demain. Demain, par contre, il va y avoir la conférence de presse de Bethesda. Ceux qui ont fait Skyrim. Skyrim, Doom, Wolfenstein, ils ont fait plein de gros titres Bethesda, là, fait que ça va être quand même assez intéressant ça comme conférence de presse, ça va pas être trop long non plus. Demain il y a Microsoft, Xbox, ça honnêtement j'ai hâte de voir. Ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autre demain aussi d'annoncer? Il y avait Bethesda, il y avait Xbox, puis il y en avait un autre aussi, je pense c'est... Je m'en rappelle plus. Je sais que lundi, il y a Ubisoft. Il y a le PC Gaming Show. Puis il y en a un autre aussi. Je vais aller trouver sur Internet, Martin, comment? Ne dis pas n'importe quoi. Va t'informer. Prends les bonnes informations au lieu de dire n'importe quoi, c'est-y. E3 2019. Cédule. Bon. Aujourd'hui, c'était le EA Play Live. Boring.
Ah, c'est ça. Demain, c'est Microsoft à 4h PM. Oui, je termine à 4h PM. Je le ferai pas en direct. Pour la simple et bonne raison que lorsque je vais finir de travailler, il faut que je vienne préparer le souper. Après ça, on a un autre cours de chant de ta voix. Fait que je vais vraiment les faire durant le stream demain soir. On va se taper Microsoft. Si c'est pas trop long, on va se taper Bethesda aussi. Fait que demain, c'est Microsoft, Bethesda, Bethesda et Devolver. Devolver, on la regardera vite vite, là, mais c'est à 10h PM, ça, demain, fait que je pourrais peut-être commencer par Devolver, on pourrait l'écouter en direct, après ça, l'écouter Microsoft puis Bethesda. Demain, attendez-vous à un stream complet de conférences du E3. Demain, lundi, puis mardi, ça risque d'être beaucoup de conférences du E3, là, je veux vraiment couvrir le plus d'informations possible. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire Electronic Arts, mais de ce que j'ai vu, 3h30, oubliez ça! Je ne me taperai pas 3h30 d'une compagnie qui n'a pas grand-chose à présenter. Là. Lundi, à 1h PM, c'est le PC Gaming Show. Ça peut être intéressant. Tous les jeux PC Gaming, on pourrait l'écouter en rentrant live lundi soir. Il y a lundi après-midi, à 4h PM, si elle n'est pas trop longue, puis si j'ai le temps, je pourrais peut-être faire Ubisoft en direct à 4h PM. Puis il y a à 9h PM Square Enix. Ça pourrait être intéressant aussi. Ça, je vais l'écouter. Et la grande tant attendue, mardi à midi. C'est le Nintendo Direct. Mais le Nintendo Direct, je travaille mardi. Fait que ça, on va se le taper. On va se le taper mardi soir parce que j'aurai pas le temps de le faire. Demain, ça sera mon dernier stream avec vous. Je serai de retour 20 je vendrai. Oh, schnout. C'est vrai, tu t'en vas au Japon, hein, Alex? Chanceux, mais en même temps, tu vas rater le. Ben, tu vas sûrement tu l'écouteras en reprise rendu là-bas. Là. N'inquiète pas qu'ils vont en parler là-bas. Tu vas être à la bonne place pour entendre parler de jeux vidéo. C'est clair, j'imagine. Non, mais tu nous enverras des photos par Discord puis tout. Là, tu nous montreras ton voyage, puis. Bien hâte de te revoir le 20 ou 21 juin dans ce coin-là. En tout cas, tout ça pour vous dire que demain soir, c'est clair que ça va être un stream quasi essentiellement de conférences. On en a trois à couvrir demain. Puis je vais les couvrir dans la journée même. Fait que. Tu feras pas de stream, mais va envoyer des photos. Ouais, envoyez-nous des photos, ça va être vraiment nice. Puis je vais les partager sur le stream, je vais les montrer tes photos. Fait que. Donne-nous des nouvelles. Fait que demain, on a trois conférences. On a Microsoft, on a Bethesda, puis on a Devolver. Microsoft, Bethesda, c'est sûr que je vais aller faire les deux au complet. Devolver, ça dépend du temps. Mais sinon, on ira couvrir les grandes lignes de ce que Devolver va avoir annoncé. Je sais que Devolver, c'est une bonne compagnie. Ils font des bons jeux indie. Des petits jeux indépendants. Là. Fait qu'on ira écouter ça. Lundi, comme je disais, on a Ubisoft. On a le PC Gaming, puis on avait quoi aussi que j'ai dit lundi? Ah, Square Enix. Lundi, ça va être une grosse conférence. Puis rappelez-vous, l'année passée, dans le chose de la conférence de Ubisoft, il avait présenté Star Fox dans Starlink. L'année d'avant, c'était Mario dans Lapin Crétin. Fait qu'est-ce qu'ils vont nous réserver une autre collaboration Ubisoft-Nintendo cette année? Ça, j'ai hâte de voir. Quelque chose de pas annoncé qui pourrait arriver out of nowhere. Là, fait que j'ai vraiment hâte de voir, mais d'après moi, il y a sûrement quelque chose qui se trame entre Ubisoft et Nintendo encore une fois. Square Enix, ça a pas été une année facile pour eux autres. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de problèmes financiers, tout ça. Fait que j'ai hâte de voir vers quoi qu'ils s'enlignent. Ils ont ressorti beaucoup d'anciens Final Fantasy cette année et tout ça. J'aimerais ça qu'ils se renouvellent un petit peu, Square Enix. Puis aussi dans les RPG, là, dans les jeux de rôle, j'aimerais ça qu'ils... mon souhait personnel, là, ça serait vraiment qu'ils nous ramènent peut-être des vieux jeux style Secret of Mana, ou, mais tu sais, des nouveaux jeux dans ce style-là, ou des nouveaux jeux de rôle avec un système de combat tour par tour. Comme les anciens Final Fantasy, ça j'aimais bien ça. J'aime bien aussi les nouveaux styles de combat, mais je préférais le tour par tour
On verra bien ce qu'ils vont nous présenter. Je sais que Square Enix aussi, des fois, ils font d'autres jeux qui sont pas des jeux de rôle, puis ça peut être intéressant aussi. Fait que là, pour ce soir, comme vous pouvez voir, je suis retourné encore dans Skyrim. Je suis comme... J'ai deux écoles de pensée présentement pour Skyrim, dans le sens que... Hier, c'est la première fois que j'y jouais. J'ai vraiment aimé l'histoire, le contrôle, la manière dont tout le jeu se fonctionne et tout ça. Les décors, l'ambiance, la musique. J'aime vraiment le jeu. Ce que j'ai pas aimé hier, c'est le fait d'avoir à recommencer lorsque tu saves pas, tu recommences à ton ancienne sauvegarde qui est genre 8 ans avant. Là. Ça m'a fait chier un petit peu. Puis les deux fois que le jeu a freezé hier, que le jeu a gelé, puis j'ai dû repartir la console, ça m'a titillé un petit peu ça aussi. Fait que à soir, je donne une deuxième chance. C'est sûr que si le jeu continue à bugger tout le temps comme ça, ça va être quelque chose pour moi qui va peut-être être qui va peut-être tuer mon gameplay. Quoique, si vraiment l'aventure est le fun puis l'histoire est le fun, je peux tolérer un petit freeze une fois de temps en temps, mais c'est pas 3-4 par stream. Il va falloir que ça se stabilise. Puis il faut que je m'habitue à sauvegarder régulièrement. Fait que là, Farangar feu secret, le sorcier de la cour du Jarl Balgruuf, m'a demandé de retrouver une pierre de dragon, une tablette en pierre qui doit contenir une carte d'ancien cimetière de dragons. Il espère que cet objet lui permettra de comprendre pourquoi et comment les dragons reviennent à Tamriel. C'est le cas, tu viendras chasser les ordures 24 heures comme moi. Moi, je dis pas faire Skyrim pendant... Moi, je dis pas pendant plus que 1h30. Ben, je vais voir parce que honnêtement l'histoire a l'air intéressante. Puis tout, je sais que c'est un jeu qui est lent. On va voir ce que ça va nous mener. Parce que honnêtement, moi d'y jouer, là, j'embarque vraiment dans le jeu. Dans le jeu, c'est juste que si freeze souvent, si gèle souvent, puis que ça bug beaucoup, ou que j'oublie encore un moment donné de sauvegarder, puis je me fais tuer un moment donné, puis il faut que je recommence une save game bien longtemps avant, là, je pourrais peut-être arrêter de jouer. Ça, c'est le genre de petits trucs des fois qui m'énervent dans un jeu quand il y a trop de bugs. Je sais que c'est pas un jeu parfait. C'est un jeu que, dans toutes les reviews que j'ai écoutées sur toutes les consoles, le jeu bug. C'est un jeu qui freeze une fois de temps en temps. Faut juste pas que ça arrive trop souvent. Parce que Skyrim, je t'avertis, j'ai 48 autres jeux à jouer sur le PS3. Fait que fais-moi pas chier. J'en ai plein d'autres à finir. D'ailleurs, il faudrait que... je vais jouer beaucoup à la PS3, comme je vous ai dit, prochainement. Mais inquiétez-vous pas, j'oublie pas tout ce qui est Nintendo non plus. C'est, moi, j'aime jouer à tout ce qui est le fun. Fait que... Retrouver cette tablette est une priorité pour le Jarl. Vous avez oublié? Puis là, la tablette, t'es où? T'as peu. Objectif, ça c'est mon objectif principal. Fait que si je me fie... Fait qu'il faut que je sorte de là. Parce qu'au point de vue graphique, le jeu est intéressant, il est super beau. Même si c'est un jeu qui date de quand même de 2011, je pense. Ouais, 2011. Quand même un jeu qui a 8 ans, puis je trouve qu'il tient bien pareil la route. J'ai déjà vu pire que ça pour un jeu de 8 ans. Là. Parce que comme je vous dis, sur la PS3, j'ai Heavy Rain aussi que je voudrais commencer. C'est un espèce de jeu-film. Puis ce que j'ai vu dans un review, ce qui a de l'air intéressant, c'est que... Dans le jeu ici, là, Heavy Rain, celui-là... ce qui se passe dans ce jeu-là, c'est que si, mettons... je vais vous donner un exemple. Mettons que je suis en train de parcourir le jeu... Puis qu'il arrive une séquence, puis que je fais mal une séquence, puis qu'il y a un personnage qui meurt, ben ça marquera pas game over, le jeu est fini. Le jeu va s'adapter au fait que ce personnage-là il meurt, ça va m'amener à d'autres choses. Il y a comme. Tu sais, tu pars, le jeu, t'as comme un embranchement qui peut virer vers 8 embranchements. Il paraît là, que c'est quasiment à l'infini le nombre de fins que tu peux faire dans ce jeu-là, ou le nombre d'histoires que tu peux vivre dans ce jeu-là.
pas à l'infini, mais tu sais, il y en a comme 400 ou 500 choses différentes, tu sais, routes différentes que tu peux faire selon tes actions. Là, fait que ça peut être super intéressant de checker ça. Puis il est vraiment bien coté. Il est coté comme quasiment comme étant un chef-d'œuvre. Fait que ça, c'est le genre de jeu que je vais peut-être essayer éventuellement. Là, on va aller voir la carte juste pour savoir où c'est qu'on s'en va. Destination personnalisée. Non, c'est pas ça que je veux. Situation actuelle. Moi, je veux. Ok, la pierre de dragon est là. Ok, fait qu'il faut que je suive la destination comme ça, qu'il y a une flèche avec un petit carré en dessous. C'est drôle parce que quand mes filles jouaient à ça, à Skyrim, à un moment donné, les deux étaient installés dans le salon sur deux télés différentes. Il y en a une qui jouait sur la Xbox One, l'autre jouait sur la PS4. Puis je comprenais pas pourquoi est-ce que les deux embarquaient dans ce jeu-là. J'étais comme, ça a l'air plate, votre bonhomme fait juste courir tout le temps. Puis il semble qu'il se passe jamais rien à part un fight contre un dragon à toutes les 3 heures. Là. Mais je comprends le fait que... qui est addictif le jeu, parce que je vous dirais que juste aujourd'hui j'arrêtais pas de penser au jeu de justement de Skyrim. J'étais comme, il me semble, j'ai le goût de jouer, j'ai le goût de voir qu'est-ce qui va arriver plus tard. J'aime l'ambiance des vieux jeux de RPG comme ça là, quand tu te promènes, c'est tout en pierre, c'est tout en brique, ça a de l'air médiéval puis tout. Puis moi j'aime bien ça, tu ramasses plein d'armes, tu craftes. Comme je vous l'ai dit dans le passé, souvent là, moi j'aime bien des styles de jeu. Fait que des fois mon stream va varier. Je vais jouer à. Je vais faire du Zelda 2-3 jours après, je vais faire du Mario. Après ça, je vais faire du Call of Duty. J'aime pas mal tous les styles de jeu. Moi, tant que qu'un jeu est le fun, je vais y jouer. Pour l'instant, celui-là, je l'aime bien. Tant qu'il bug pas trop. Ok, là j'ai encore mon épée, ça c'est ça que je voulais. D'ailleurs, là, mon épée, il faudrait peut-être que je pense à la changer, parce que elle est pas super forte. Là je l'ai raffinée, elle fait 9 de dégâts, mais c'est pas super super. Est-ce que j'ai l'arc long? Ah, c'est ça, il me manque plein d'armes que j'avais faites dans ma game que j'ai perdu hier, quand j'avais perdu une vie. Ok, on va continuer avec ça. Je trouve les décors super beaux, sérieusement. Ça me fait penser un petit peu à Horizon, mais un petit peu moins bien fait, moins défini. Beaucoup moins de détails dans les environnements, mais je parle en termes de d'ambiance de jeu, ça me fait penser à ça un peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça peut-être que j'aime ça aussi, parce que Horizon, j'avais bien aimé l'ambiance du jeu. Bien aimé le jeu en général. Ok. C'est trop abrupt, c'est ça? Ouais, ça a bien l'air que c'est trop à pic, fait que je peux pas monter là. C'est plate que Final Fantasy XIV fonctionne plus sur PS3, parce que je l'ai acheté dernièrement, puis je peux même plus me loguer dessus. J'aurais aimé ça aller jouer avec des viewers, ben aller jouer avec la communauté de Final Fantasy XIV en ligne. Tu sais, je vois plein de monde qui joue à Diablo, comment il s'appelle le jeu que Lina joue souvent, Albion. Plein de jeux en ligne comme ça. Je trouve que je joue peut-être pas assez à des jeux en ligne avec le monde. Je joue plus à des jeux solitaires.
Quoi que ça a jamais été ma force non plus de jouer en ligne avec des gens, mais c'est pas quelque chose que j'haïs non plus. Je passe tout droit, d'après moi, ça va être là et ça. Père des chutes tourmentées. Est-ce qu'on est à la bonne place? Il joue surtout à Jerry. Ouais. Ça, c'est Terre des chutes tourmentées. Puis il a retrouvé la pierre du dragon qui est juste là. Ok. Non, mais c'est drôle parce que. Tu sais, à toutes les fois que je vois sur le stream à Lina, qui est en train d'écouter Jerry, je fais plein de jokes et tout, mais finalement, je me trouve tout le temps à écouter l'épisode au complet, puis j'aime ça. J'aime voir à quel point que Jerry est pas crédible, mais il y a plein de monde qui l'écoute. Qui est devant moi. Ah, il est là. Vous attendiez pas à ça. Il y en a un autre. Où ça? Préparez-vous à mourir. Non. J'ai d'autres plans pour la journée. Ok. Ok, la pierre du dragon doit être là-dedans. Je vais juste regarder ce qu'on a acquéri comme objet. On a-tu des armes qui ont de l'allure? Dague de fer raffiné, non. Flèche de fer. Parce que ce qui arrive, c'est que la hache fait beaucoup de dégâts, puis le marteau aussi, mais ils prennent deux mains. C'est pour ça que j'aime bien avoir l'épée. Collier d'or, on s'en fout. Cuirasse de sombrage, non. Savez-vous quoi? On va se tirer un petit save. Je vais être gossant avec les saves là, mais faut vraiment que je sauvegarde souvent, sinon je perds ma game puis j'ai ça. Je sais que mes filles, moi, quand ils jouaient à Skyrim, il y avait des mods. Il faisait plein d'espèces d'affaires bizarres. Des fois, il y avait des personnages genre Zelda pis tout. Pas Zelda, Link, là. Mais il faisait plein de mods dans leurs affaires dans Skyrim. Honnêtement, je vais garder le jeu le plus basic possible. Je vais vraiment jouer à la vraie expérience de Skyrim. C'est drôle de mettre des mods. Ouais, non, mais... je l'essayerai peut-être une fois vraiment avancé dans le jeu ou après avoir fini l'histoire si jamais je la finis. Mais pour l'instant, je vais garder le jeu. On appelle ça Vanilla. Vanilla. Vanille. Le jeu le plus clean possible. Crochet, ça j'en veux, ça j'en veux. Le reste là. Ok, le reste, on va le laisser là. Commencer. La griffe d'or. Pourquoi que...
Le jeu est plein de bugs. Ok, puis là, lui, là-bas, il y avait-tu de quoi sur lui? Oh, des lingots de fer, ça c'est important. Des poireaux grillés, du vin alto, collier d'argent. Ça c'est, j'imagine, ça va être des affaires qu'on va faire les vendre après. D'acier, de l'or, ça j'en veux. D'armes de fer, j'aime. Oh, une gemme spirituelle insignifiante. Parchemin atronache de foudre. Faire apparaître un atronache de foudre pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par le lanceur. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par ici à part des toiles d'araignée? Pas logique. Je suis pas capable d'y brûler. Chercher dans l'urne funéraire un anneau d'argent. Ça, j'imagine que ça devrait être des trucs à aller vendre encore. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Absolument rien. Continuer là ou l'autre bord. Ok, non, ça c'est un cul-de-sac. C'est bon à savoir, est-ce que j'ai ça quand il y a deux chemins puis que on s'aventure loin dans un puis après ça il faut revenir dans l'autre. Ah, fait chier. Je parie ça, me semble. Non? Ok, lui est seul. Là, je veux juste pas. Mon énergie est au max, que je suis correct. Ça. Hache d'acier, me semble, j'en ai déjà. Là, y avait-tu d'autres monstres qui me tiraient dessus, non? Oh! Des puzzles? Salut, Pala. Pala 6565, comment ça va? Ça, je l'ai fouillé, lui, il n'a pas un autre. Ok, ça, t'en as un écriteau de serpent. Ok, fait que c'est serpent, puis une espèce de dauphin, je sais pas trop. Cette affaire-là. Là. Fait que ça va être serpent. Serpent, puis cette affaire-là. C'est ça. Là, j'imagine que je vais pouvoir ouvrir le levier. Bingo!
mentionne encore pour ceux qui viennent d'arriver. C'est la première fois que je joue à Skyrim en tant que tel. Fait que... jugez-moi pas si j'ai l'air d'un noob, parce que oui, j'en suis un. Voilà la tire jusqu'au 21. Je le lirai un moment donné quand je jouerai tout seul sans être sur stream là, pour vous emmerder qu'un livre au complet qui va prendre 10 ans à lire. Là. La solution est en haut. Non, ça j'ai vu. Tu comptes rejoindre quelle guild? J'en ai aucune idée. Je savais même pas qu'on pouvait rejoindre plusieurs guildes. Je sais que t'as... au début du jeu, moi, il me disait de rejoindre... l'Empire. Non, pas l'Empire. Faut que j'aille à Solitude. La Garde Royale, je pense, c'est un phénomène. Je vous dis, je commence le jeu, là, fait que j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans le jeu et tout ça. Ça n'y a plus rien d'autre. Du monde qui m'ont entendu là. Tu vas être vampire ou loup-garou. ouais, un petit save, je dirais pas non. Un petit save, je dirais pas non. Ça me tente pas de perdre ma game comme hier. C'est une vraie question. Vampire ou loup-garou? Aucune idée. C'est la time, mais il y a un parallèle des guildes, genre compagnon, mage, voleur extra. Honnêtement, je sais pour les boys. Je vais voir rendu là. Oh shit! Empêchez cette chose de s'approcher de moi! Ne laissez pas cette chose! Ne laissez pas cette chose m'approcher! Qui sont bas. J'y vais boire quelque chose là. Potion de soins légers, tiens. Voilà. Venez de. Ok, good. Elle est battue. Dans l'urne là, il y a de l'or, on le prend. C'est ça. Même chose. Ah, il est là. Toi, viens ici. Elle se détend, je le sens. Vous avez réussi. Vous l'avez tué. Maintenant, libérez-moi avant qu'une autre créature arrive.
commence à être ton point de talent. Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Je sais comment disposer tout ça. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez toute la puissance que les Nordiques ont cachée ici, vous n'y croirez pas. Par le saint souffle d'Arkay, je vous remercie. De lui, faut que je la batte. Ben. La griffe d'or. Abattez Arvel, retrouvez la griffe d'or. Je l'ai, le journal d'Arvel. Il risque d'avoir du matériel intéressant. Lui, une épée en fer, tunique avec ceinture. Là, mon poids va commencer à être pas mal élevé. Il va falloir que je jette du stock tantôt. Là, je peux pas y péter. Ok, là, ça dit quoi, cela, là? Oh yeah, un bouclier de fer. Ok, là par contre, je vais être trop pesant, fait qu'on va aller jeter du stock un peu. En termes d'armes, j'ai trois arcs longs. J'ai trois haches. Ensuite. Hey! Donne-moi mon épée! Ça, on prend de l'or. En plus, pendant qu'il marque fait gaffe au piège. Je me suis fait avoir comme un enfant. Là, ça veut-tu dire que je recommence à mon dernier save? Ah, je n'ai mangé une drette sa gueule, là. Ah, je recommence juste avant l'araignée. Ah, c'est que ça fait chier. Ok. Ah non, là. Ah non, il n'est pas battu, là. Empêchez cette chose de s'approcher de moi. Ok.
je sais qu'ils sont bas, je m'en vais m'occuper de ça, ok? Calme-toi. On va s'en prendre 3. Potion de magie, on va repousser la magie un peu. Ça, il n'y avait pas grand chose. On va pas peine de perdre le temps là. Ok, là tantôt j'étais ici justement. Hey, merci beaucoup Pala pour le follow. Longe le mur de gauche. Ouais, je vais aller. Je vais aller voir ça. Là. Il faut juste que je vide mon inventaire un petit peu comme j'avais fait tantôt. Là, il y a des tenues que j'ai une tonne et quart là. J'ai pas besoin de tout ça là. Garder le plus possible pour aller les vendre après. Légère, je vais me mettre celle-là, je vais acheter. Il est pas là. Il est où le bonheur? Il est où? Ok, je pense qu'avec ça on est quand même pas si mal. Là on avance quand même pas pire vite. Ah ok, ça doit être ça le truc. Ok. On va sauvegarder parce que, comme vous avez vu hier, ma PS3 est sensible des fois. Le jeu bug, ça me tente pas de perdre la game là. Le feu qu'ont eux autres, très pratique. Ça. On a-tu d'autres amis là, qui veulent venir nous écœurer? Okay. Là, j'ai un.
Oh, un espadon de fer. On va aller voir. Arme, je peux-tu la prendre à une main? Non, c'est ça, c'est deux mains. Alors, on peut peut-être essayer ça pour l'instant. Quoique moi, j'aime tout le temps mieux garder mes deux mains dégagées. Ah, ça, je sens que je vais me faire... Je regarde s'il y en avait un de l'autre bord que je pouvais arrêter. Je l'ai tellement détruit. Du soin, ce qu'il y a là. Quoi, ingrédient que je veux? Ah! Non! Je me suis trompé de piton. Au lieu de faire revenir. Pour revenir dans le menu, j'ai fait quitter le menu. J'ai même pas eu le temps de prendre mon soin. Ça, cette vie-là, c'est moi qui ai mal joué. Fait que ça, c'est pas à faute du jeu. On recommence pas trop loin, c'est correct. Ça, je le voulais. Sur l'autre, y avait-il d'autres choses? Je veux son or. Plier en fer, j'en ai déjà un. C'est quoi pour les arrêter, ça, de ça? Non? Ok. Je suis juste fait toucher une petite fois, c'était pas bien grave. Pardon tantôt. C'est avant ça ce que lui je l'ai pété tantôt. L'espadon était où? Ah, c'était avant ça, niaiseux. Tantôt, je l'avais juste tourné de même, une petite affaire comme ça, peut-être. Yes. Ok.
Bon, on rend ça espadon nordique. Oh! T'as écrit ça? T'es québécois? Oui, oh, je suis québécois. Y a-tu une place que je peux passer là ou bien? On dirait une zone cachée, ça. Ou à moins que. Ah non, ok, j'y vais par là. Compliqué ça. Ça, j'en ai déjà une. Ok, je vais ouvrir le coffre avant. Je sens que là, je vais me faire. Non, je vais pas me faire avoir, ça, je veux dire. Allez, sauvegarde. Boule de feu, ok. Ça, je disais tantôt, parce que là, ici, on a une chute. Oui, je peux descendre sans me faire mal. Et ici, j'ai un chemin qui continue. Ça redonne toute la vie. Quand tu es quasiment mort, tu mets ton niveau de vie. Ça te redonne toute la vie. Ça te donne 10 PV de plus. Je comprends pas ce que tu veux dire. Quand tu es quasiment mort, tu mets ton niveau. Des vies, ça. Dans vie, des vies. Toute ta vie, dans. De ça te donne 10 PV de plus. Ok. Je transporte trop de choses. On va aller se vider un peu. J'ai encore beaucoup d'armes, je pense. Ok, on va commencer à acheter des...
petit truc là. Tank de fer raffiné. Comme je disais tantôt, je veux pas trop jeter non plus parce que quand je vais arriver dans un marchand, éventuellement je vais essayer de vendre le plus de stock possible. Là, ça descend là. Je peux continuer là. Ton point dans l'arbre des compétences et ça te redonne toute la... Ah, c'est vrai, l'arbre des compétences, j'ai même pas rien mis pour l'instant là-dedans. Quand c'est quelqu'un qui a plus de vie, tu mets ton point dans l'arbre des compétences en vie, ça te redonne toute ta vie de 10 points de plus. Ok, good. Lancer un double sort de destruction permet d'obtenir des effets encore plus puissants. Ok. Moi, là, j'ai vu que je passais de 100 à 120 points de vie. Mais c'est l'arbre des compétences en tant que tel. Je comprends pas tout ce qu'il faut faire, mais je vais le découvrir à mesure. Au pire, j'irai voir un tutoriel sur YouTube pour bien comprendre comment bien booster mon bonhomme. Ami qui nous attend là-bas. Ah, Steam a eu. Merde. Calice. J'ai pas sauvegardé, ça fait un petit bout de temps en plus, merde. Tu fais tes actions. Des actions genre vol à tir, tu pourras augmenter les compétences dans cette branche, ok. Déjà trop lourd présentement. Arme, tantôt j'avais jeté.
plus je les augmente, plus c'est facile, ok. Non, mais je veux dire, des arbres de compétences, j'en ai déjà vu dans d'autres jeux, mais celui-là, je suis pas encore habitué, c'est juste ça. Mais je vais le comprendre bien. Ok, je vais retourner chercher mon coffre qui est en bas. Là, on sait qu'on a un genre de mini-boss à battre là, fait que je vais me sauvegarder juste avant de le voir, c'est-à-dire... Quand tu rejoins des guildes, tu peux aller... tu peux payer des PNG Pro pour augmenter ton niveau, ok. Ok, là je vois ce que je vais faire. Non, Martin. Ah oui! Je vais aller tout de suite augmenter mon niveau. Santé. Santé. Good. Ok, là je comprends. Ok, on va sauvegarder ça. Tente pas de recommencer encore tout le bout qu'on vient de faire. Je suis très patient quand je joue à des jeux comme ça, sauf que lorsqu'il faut que je recommence un bout que je viens de faire, pour une raison si niaiseuse que le fait que j'ai perdu une vie et que j'ai pas sauvegardé, des fois ça peut me gosser. Sanctuaire des chutes tourmentées. Bon, là, je suis à niveau 3. Tantôt, quand j'ai commencé, j'étais niveau 1. Fait qu'on vient de gagner 2 niveaux. Même pas si mal. Ça augmente tranquillement pas vite. Quoi, c'est ça? Des petites
petit piège comme ça. Je pense que je vais juste me faire un petit save. Je sais que c'est gossant là, les saves, là, mais quand tu as les trois choix, magie, ça augmente la barre de magie. Je vais t'avoir. Ouais. De Périscia, lui, bouclier de fer, du corodin, corindon raffiné, ça je vais le prendre. Tirer dessus là, puis je sais pas de où. Anyway, one shot. Les flèches nordiques, ça j'en veux. Ça j'en ai déjà une, ça aussi. Ok. Il y a un œuf qui est clos là. Ok, on va tirer un petit save, juste pour être sûr de ne pas perdre nos affaires. Je sais que c'est gossant, mais j'ai pas le choix. On va affronter de quoi de gros là. Un écriteau quelque part ou de quoi qu'il faudrait que je voie. Hein?
Mes doigts tremblent, la griffe d'or est enfin entre mes mains et avec elle le pouvoir des grands héros nordiques. Cet imbécile de Lucan Valerius ne s'était jamais douté que son bibelot favori était en fait la clé du théâtre des chutes tourmentées. Il n'en reste plus qu'à pénétrer dans la chambre aux histoires à débrouiller la porte. La légende dit que les Nordiques ont conçu un piège censé repousser ceux qui n'ont sont pas dignes, mais aussi que celui qui a la griffe de... Ok. On va aller voir la griffe d'or. Elle est où, elle, déjà? Ah, c'est ça. L'espèce d'oiseau est au milieu. On dirait un cochon en haut, puis... Ok, je devrais être bon pour les retrouver, les trois. Non! En bas, c'est ça. Au milieu, c'est la petite libellule, l'oiseau. Avec une petite musique pas trop rassurante, là, c'est fun. Pourquoi je pense me sauvegarder avant d'aller voir la petite lumière? Que c'était pas lui, Lucan. Ok, potion, soins légères, ça j'ai pas le choix. Ah!
pierre de dragon. Good. À faire encore. Ok, comme là, j'ai deux choses à faire là. Porter la pierre de dragon à faire encore, puis ici la griffe d'or, c'est apporter la griffe à Lucan. Lucan, il est où lui? Une petite lampe, je vais me faire ramasser, merde. Ok, on va sortir un petit save. Mais pour l'activer, il faut une arme. Il propulse tes ennemis. Ok, ça veut dire qu'ils vont prendre une arme de dragon pour activer la roche. La pierre de dragon, si je comprends bien. Vers Skyrim, vers bord de ciel. Ouais, je vous confirme que j'aime le jeu. J'aime vraiment le jeu. Puis pour l'instant, ce soir, je croisais mes doigts. Ça n'a pas figé encore. Fait que c'est très bien pour l'instant. Parce qu'hier, j'ai eu deux gels de la console. Ok, bon. Destination est par là. Wow, wow, wow. Ok, là une chose qui est sûre, on va aller voir la map un peu. Là je suis là. Porter la pierre dragon à Farangar. Ça c'est Blancherie, ici. Ok, je suis aussi loin que ça. Là, Blancherie, je suis déjà allé. Je pense que je vais aller aux toilettes dans pas long. Mes deux cafés commencent à se faire sentir. Je commence à avoir une petite envie de pipi. Ok, je vais mettre ça sur pause. Je vais faire comme je fais d'habitude, aller vous mettre des maudites tonnes plates NCS, juste pour pas avoir du copyright sur le stream de Skyrim en tant que tel. Bon!
La blancherie et la guilde des compagnons. Je sais qu'à Solitude, il y avait la guilde des... je ne sais plus c'était quoi, là, mais... de toute façon, je vais aller voir ça tantôt. Ok, je prends une petite pause de 2 minutes, je vais chaud aux toilettes, puis je reviens, ce sera pas long. Alex, quand tu parles de ordure, c'est quoi? C'est-tu Goldine? Goldure. Batman fusionné avec Hulk, c'est un Zubat Shiny.
Y a-t-il un marchand que je peux aller voir là ou quelque chose de genre? Le chasseur ivre. Geodude. Ah, son chaîne. Ah ouais, ouais, ouais. Un Geodude. Ah, un compatriote. Mon cœur s'emplit de joie à la vue d'un frère Bosmer. Je vous en prie, puis-je vous aider à trouver des équipements de chasse? Jetez un œil. Ok. Moi, je vais faire le ménage un peu. De toute façon, lui, il a quand même pas mal d'or, fait qu'il peut m'en acheter quand même pas mal. Fait que là, je vais la vendre. Marteau de fer. Venir loup-garou et je la garde de l'aube, c'est les vampires. C'est ça que Star Spy parlait tantôt. Good. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Garde de l'aube est à l'est de Bardésier, près de Falaise. En passant, ma gang de chasseurs de Pokémon,
si vous faites la journée de communauté de Slackot, moi je l'ai faite. J'en ai attrapé un shiny. Skyrim, on lâche Blancheville un petit peu. Je vais aller porter la roche de dragon, la pierre de dragon, je veux dire. Faut que je retourne voir Farangar. Non, c'est ça. Là, j'ai comme deux. Et là, je retournais voir Lucan. Un petit peu. On va aller à Rivebois. On va aller éclairer ça. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. J'ai dit non. Pas d'aventure, pas de mise en scène et pas de chasse aux voleurs. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais le marché de Rivebois est ouvert. Faites vos courses, n'hésitez pas. Ouais, on s'est fait voler. Mais il nous reste encore plein de butins, hein. Les voleurs ne voulaient qu'une chose. Une décoration en or massif. Un truc en forme de griffe de dragon. Voilà. Étrange. C'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non?
Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Je ne l'oublierai pas. Good. Merci infiniment d'avoir... Regardez donc. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. Regardez donc. Ok, cette quête-là est terminée. La griffe d'or, c'est faite. On va aller voir l'affaire de la pierre du dragon. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Elle est là. Ouais, Martin, je charge en mémoire. Si, j'ai joué à ça hier. On ne peut pas être allé à Fort Dragon. Tout en haut à gauche de la map, à droite, pardon. Pour aller où ça? Vous voyez, la terminologie correspond clairement à... La pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Vous voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, Avenichi. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes. Et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Ronga, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Un dragon? Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prends... Il y a comme une tonne de livres, je prendrais pas tout ça quand même.
c'est ça. Ils allaient voir le Jarl pour une récompense. Attention! Sombrage impériaux, dragon. Du moment que je peux en tuer, je ne suis pas difficile. Soyez sans crainte. Dragon ou géant, nous serons prêts. Je suis le chambellan du Jarl Balgruf. Vous devez vous en douter, le Jarl est très occupé. Que puis-je pour vous? Fantastique. L'histoire de notre ville est glorieuse, et je me ferai une joie de la partager avec vous. L'histoire de Blanche Rive commence par Yorvaskr, le château des compagnons. Pendant longtemps, il n'y a pas eu d'autres bâtiments sur la montagne. Et puis, au fil du temps, une communauté florissante s'est développée autour de Yorvaskr. Aujourd'hui, Blanche Rive est le joyau du royaume de Bordeciel. C'est la plus grande cité des 9 châtelleries. Ils sont 3, disposés en cercle concentrique, comme vous avez dû le remarquer. Le quartier des plaines s'appelle ainsi, car c'est le plus proche des plaines qui entourent la ville. C'est là que se trouve l'auberge et la place du marché. La plupart des habitants de la ville résident au quartier des Vents, qui est situé entre les deux autres. Fort Dragon occupe le plus élevé des quartiers, que l'on appelle le quartier des Nuées. De ses remparts, le Jarl peut voir tout ce qui se passe dans sa ville. C'est une histoire ancienne, mais ceux qui travaillent au château la connaissent. Il y a bien longtemps, vivait un grand héros des Nordiques, Olaf le Borgne. Un jour, il affronta un terrifiant dragon du nom de Numinex. La lutte entre Olaf et le dragon culmina en un terrible duel au sommet du mont Antor, où Olaf l'emporta. De retour à Blanche Rive, Olaf décréta que le château de la ville devait être reconstruit pour devenir la prison de Numinex. Et c'est ainsi que notre beau château est devenu Fort Dragon. Profitez bien de votre séjour à Fort Dragon. Je suis le chambellan du Jarl Balgruf. Cela n'a pas de sens de rester ici à rien faire. Nous devrions déplacer le combat chez les Sombrages. Je ne suis pas un homme, je suis une arme de forme humaine. Sortez-moi de mon fourreau et pointez-moi vers l'ennemi. Mon frère écoute les conseils de Proventus Avenici, la bonne blague. Il écoute les conseils de sa fille. C'est une forgeronne, bon sang. À Jarl, you Jarl. Vous devez vous en douter, Jarl est très occupé. Que puis-je pour vous? Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarade. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilet à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Helgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Une dernière chose, Irilet. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. Aidez Irilet à tuer ce dragon avant qu'il puisse attaquer Blanche Rive. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous allez voir ce dragon de près. Comme je vous envie. Je
Désolé, parce que... Mes yeux commencent déjà à tomber tout seul, ça me fait chier. Si je vois que je m'endors trop, ça se peut que je fasse un stream un petit peu plus court qu'à l'habitude. De toute façon, demain, on s'en fait un long avec trois conférences du E3. Demain matin à 8h, faut pas que je me couche trop tôt, mais quoi que là, il est même pas minuit encore. Fait que... Je sais pas si vous avez vu, il y a déjà des images drôles des deux légendaires de Pokémon Sword and Shield, Zacian et Zamazenta. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Je pense que c'est sur Facebook hier, j'ai vu ça, il y avait des images. C'est un chien avec une genre de truc pour l'empêcher de se licher, là, une genre de lampe, là. Puis l'autre avec un bâton dans la bouche. Tout le monde met des chiens, des photos de chiens drôles pour représenter les deux nouveaux légendaires. Fait que j'étais pas le seul à les avoir trouvés ridicules. Ah, que je m'endors, ça me fait chier. Pourtant, je suis en train de caler deux cafés si je m'endors pareil. Colin. Je veux pas m'endormir tout de suite, mais en même temps, mon corps est fatigué. Lui, il veut s'endormir tout de suite. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures de live que je fais, là. C'est quand même pas si mal. C'est où faut que j'aille?
Ok, c'est ça. Ça, faut que j'aille par là. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à l'intérieur. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blancherie. Cet honneur revient à Eorlun Grispoison. Ses armes sont légendaires. Je veux juste qu'on me donne une chance. Arrête de jouer à Skyrim, c'est pour ça que tu t'endors. Non, c'est pas le jeu, c'est vraiment le fait que je suis fatigué. Là. Commence à faire la tornade du gars qui dort. Je tourne en rond. Merci Starspire. Merci Baptiste. J'ai entendu, je suis fatigué. ça fait deux fois que je joue à Skyrim. J'ai joué hier, puis j'ai joué aujourd'hui. Puis en passant, ben, salut Baptiste. Puis je me ramasse toujours un moment donné que je fais ça. Trop fatigué. Ok, fait que là, je pense que ce que je vais faire, là. Je vais suivre le conseil du grand sage Starspy. Tirer un save juste là. Puis on va essayer de se trouver un autre jeu à jouer. Je vais pas faire de chasse de shiny, c'est trop statique. J'ai peur de m'endormir encore aussi. C'est pas rigolo d'être bousculé tout le temps. Ok, fait qu'est-ce que je vais faire? On va quitter Skyrim. Viens jouer à Minecraft, es-tu malade? Ça, Minecraft, je l'ai déjà essayé un petit peu, puis ça, honnêtement, j'aime pas ça. Heavy rain. Ça se perd, mais Baptiste commence à être découragé là, sur le fait qu'il n'y a pas son insécateur shiny.
quoi ça? Afin de créer une partition de jeu de 2000. Ouais. Ok, il va juste s'installer, on s'en fout. Ok, ça, j'ai l'impression que ça va être long, installer ça. Ouais, je pense qu'on n'attendra pas qu'il installe. Je vais le faire installer en arrière-plan. Ce que je vais faire, je vais... parce que là, il est juste à 3%. Qu'est-ce que je fais? Ok, dans ce cas-là, on va peut-être aller sur la Switch. Là, il est à 5%. Puis Heavy Rain, honnêtement, c'est le genre de jeu, je pense qu'il va... dans lequel je vais avoir besoin de beaucoup d'âge... d'âge mental, c'est pas ça que je voulais dire. Beaucoup de... Voyons. Je vais avoir besoin d'être réveillé. Oui, de l'âge mental, c'est bon ça. Non, je dis n'importe quoi, je suis tellement fatigué, sérieusement. Ça me fait pas de travailler le samedi. Ouais, fait que mine de rien, j'étais encore dans ma chasse de Bulbasaur, je pense. Fait que logiquement, je devrais être encore dans mon combo actif de Bulbizarr. On va faire un test. Je vais essayer de trouver un Bulbizarr pas loin. Il y en a un là. Combo capture 31. Ok. Fait que j'ai même pas besoin de chasser le Bulbizarr, je peux juste me promener puis ça va être correct. Après 15 minutes, t'as eu ton Bulbizarr. Bulbizarr Shiny, je l'ai déjà eu. Dans le passé, mais là, c'est juste que ça me prend vraiment un Bulbizarr pour compléter la famille des Bulbizarr. Bon, je fais mon colis des cartes Arctique et plus. Tu veux le faire maintenant? Si tu l'avais fait maintenant, je pense que je t'aurais renvoyé les viewers, j'aurais été écouté en allant me coucher. Mais et moi qui trouve les poutous shiny en deux combos de carapuce. J'ai changé mon
Mon titre. Pokémon, let's go. Patachou. Mais j'ai 4 colis. 62 articles plus 8 plus 1 plus 25. Il y a 96 articles. Baptiste, t'as déjà trop de stock chez vous. Tu l'as dit l'autre fois. T'as déjà pas de place pour les serrer. Où tu vas mettre tout ça? Faut que tu défonces le mur du voisin puis que tu mettes ça chez le voisin. La place se retrouve, mais pour le stream unboxing. Ça serait pas mal, ouais. Tantôt dans la journée de communauté aujourd'hui de Slackotte. Parcours, je pense qu'il s'appelle en français. Je n'ai attrapé un shiny. Je l'ai déjà fait évoluer en Monaflémite. Il est pas super bon, mais j'avais déjà un Monaflémite 100% dans mon inventaire. Fait que. Il faut dire que la première heure, je l'ai pas vraiment joué, j'étais au travail. Dans la deuxième heure, il a fallu que j'aille faire des commissions après la job pour commencer à préparer le souper et tout ça. Fait que. Côté partout, j'ai peut-être eu maximum une heure pour faire la journée de communauté. Fait que je suis content d'avoir déjà eu un. Oui, mais merci beaucoup Baptiste d'être passé venir dire un petit coucou. Moi je pense pas que je vais toffer bien longtemps de stream, je suis vraiment fatigué puis ça fait chier. Ben, si Ghoul est en live, oui, je vais aller host Ghoul. Je vais peut-être continuer genre 5 minutes, là, juste pour dire que je continue un peu, mais je t'offrirai pas bien longtemps, on va vous dire. Vous voyez. Ah, Ghoul, s'il est en live, je vais aller le hoster. Aller l'écouter aussi un petit peu, puis après ça, je vais aller écouter les highlights de la conférence EA Sports parce que je vais voir un petit peu qu'est-ce qui s'est fait là-dedans. Comme je vous dis,
Je vais être en forme pour demain, parce que demain, ça risque d'être un live. On va écouter du stock. On va écouter Bethesda, on va écouter Microsoft, puis on va écouter aussi Devolver. Trois conférences du E3. Je les ferai pas en direct, moi ça va être en live dès... Si je peux rentrer en live plus tôt, je le ferai plus tôt. Je sais que Devolver est à 10h directement, heure du Québec, fait que elle, je pourrais la faire live. Et parce qu'en même temps, dans les trois conférences de demain, c'est peut-être la moins intéressante des trois. Bethesda, ça risque d'être intéressant, puis Xbox, c'est sûr, ça va l'être. Ah, non, moi je vais arrêter, je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Je vais aller me coucher, parce que j'ai une bonne journée encore demain à faire, un 8-4. Si je veux pas être trop fatigué demain pour les conférences, là. Faut que je dorme. Là, il est minuit et quart, j'ai la chance d'avoir une bonne nuit de... Un bon 6h et quelques, là. Ok, je vais sauvegarder ça. On va aller voir Ghoul Québec. Je vais vous envoyer sur sa chaîne. On va aller l'encourager un petit peu. Il est affilié en plus depuis quelques temps. Ghoul Québec. Puis il joue à Minecraft. Hey, t'es en train de faire une Pokéball. Bon. Ah, c'est fou, j'étais super dedans tantôt dans Skyrim et tout, puis en l'espace de peut-être 5-10 minutes, mon énergie a fait... Fait que... On va aller me coucher, on va aller me reposer un petit peu. Bon, là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Je vous envoie sur le stream de Ghoul Québec. On va aller l'encourager un petit peu. Fait qu'allez laisser un follow si vous n'êtes pas follower de sa chaîne. Fait qu'allez l'encourager, il est en train de jouer à Minecraft. Fait que c'est parti, bye tout le monde, bonne nuit, à demain.